Présentement, nous sommes en train de regarder la fabrication artisanale de la viande de soja. Donc, vous avez là une des ménagères, des artisanes en train de, en plein processus de fabrication. Voilà. Tout ce que je pouvais faire, j'allais voir même sur la maman. Qui me disait, sois patient, dans les prières. Alors un jour, étant ma bonanza, dans les rêves, je trouve que j'ai fait, puisque je m'interrogeais toujours ce que je veux faire en rapprochement. Donc vous avez une des artisanes qui est en train de faire des choses. Je vois comment elle a fait pour les prières. Chargé de fabrication de la viande de soja. Le tofu de soja. Ça c'est pour le soja. Les artisans, le bureau lumière. Si vous avez le processus de fabrication des huiles essentielles, les huiles essentielles bio, made in Cameroun. Voilà. Ces huiles essentielles sont fabriquées à partir des aliments, produits végétaux que vous connaissez, des légumes, persil, vous avez des huiles essentielles de persil, sésame, entre autres. Voilà. Voilà. Ça va nous voilà. Donc vous avez là la poudre farine de macabo. Pour ces produits, vous pouvez les retrouver au bureau Lumière en contactant l'association des artisans du bureau Lumière. Vous aurez tous les produits. Il faut noter que tous ces produits sont bio. Vous avez une vie des femmes qui sont dans le travail. Elles sont en train de faire le vannage du sésame. Il peut être transformé en plusieurs produits.
Donc, ceux qui voudront découvrir ce qui se fait au bureau Lumière, vous êtes vivement invités à venir le jour de la foi à exposition. Vous aurez tous les produits issus de l'artisanat, le savoir-faire des femmes. Voilà. Donc je ne vous présente qu'un aperçu. Pour ceux qui voudront voir le tout, vous êtes vivement invités aux journées portes ouvertes du jeudi, mercredi et jeudi 25 et 26 à cet effet. Bien. C'est ici que moi je vais vous laisser. À la prochaine.